Yo tout le monde, c'est Kylian, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite parce que vous avez été nombreux à me demander, donc je vais le faire. Ça m'avait un petit peu gonflé, vous voyez. Le amour sucré m'avait un petit peu gonflé avec le système de pas. Donc j'ai décidé de faire une pause afin de reprendre. Vite fait, petite parenthèse avant de commencer, n'oubliez pas que samedi je suis en live. Entre 14h et 17h du coup. J'hésite toujours entre World of Warcraft, Kona, Firewatch, j'hésite entre plein de jeux, je ne pense pas, vraiment pas. Fallout Class 2 parce que j'ai vu certains passages assez stressants et j'ai peur de pas... Voilà, de pas être super bien, donc du coup je ne pense pas, on verra bien ce qui va arriver samedi, mais je ne pense pas. Donc on en était où? On était avec Kiki, le petit chien à la noix qu'on devait retrouver. Donc on va retourner je pense au couloir principal justement. Ah, les pétasses, je les avais oubliées celles-là. Bon bah j'ai envie de vous dire, c'est reparti pour les voix, hein. Allez, c'est parti, dis donc, toi t'es en basket, c'est ça? Il paraît qu'il y a quelqu'un d'externe au lycée qui s'entraîne là-bas, il faut qu'on voit ça, alors pousse-toi. Ok, donc la meuf, elle ne sert strictement à rien. Donc, salle de classe ou salle des délégués. On va aller à la salle de classe, voir s'il n'y a pas le clébard. Ah, te revoilà. Allez, regarde les bons biscuits que j'ai pour toi. Ah, dis-moi qui les a bouffés, là. Ah, oui, je l'ai enfin récupéré. Je n'ai plus qu'à le rendre à la directrice. C'est bon, on a le clébard. On l'a, c'est bon. Ok, in the pocket. Donc, c'est bon, on l'a. On va le rendre à la directrice. Kiki! Oui, c'est moi. Je lui ai rendu Kiki. Non, moi, on me rend pas comme ça. Merci, mademoiselle. L'idée de perdre Kiki me stresse énormément. Maintenant que j'ai pu le récupérer, vous pouvez reprendre vos activités normales. De rien, madame. Retournez à mes activités. Je vais peut-être aller faire un tour dans mon club, alors. Ok. Donc, au club. Elle a dit salle des délégués à mon club. Le club de quoi? On va... Alors, attends. On va retourner à la cour. Ah, club jardinage. Attends, c'est en train de bouffer des pas, hein. Gymnase, couloir principal. Ma petite chérie! Oh non, tata, pas tata. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir te donner aujourd'hui? Tiens, prends ça, j'espère que ça te ferait plaisir. Ah, des nombres de pas, s'il te plaît, ça serait cool. Qu'est-ce qu'elle m'a donné? Je sais pas. Elle m'a dit, je te donne ça. On va retourner au club de jardinage, y a rien. Bon, écoute, on va retourner au couloir principal. Vous traînez encore? Êtes-vous allé voir s'il n'avait pas besoin de vous dans votre club? Mais j'y étais 10 fois! Ils veulent pas de moi. Écoute, oh non. Dis donc, toi, t'es en basket, c'est ça? Il paraît qu'il y a quelqu'un d'externe au lycée qui s'entraîne. Bah, il faut qu'on voit ça, alors pousse-toi. Oh, mais ta tronche, toi. Écoute, on va au gymnase. Ce lycée est vraiment sympa. Oui, il est pas mal, c'est vrai. Eh, je le sens mal, on va perdre trop de pas, les mecs. Bon, je vais devoir retourner à mon entraînement. Ok, à plus tard, alors. Alors, oh, attends, en parlant d'entraînement, tu voudrais bien me rendre un service, s'il te plaît? Oui, quoi donc? Non, désolé, j'ai assez de choses à faire. Bon, on va faire oui, quoi donc? J'étais en retard ce matin, alors j'ai fait mon sac en vitesse. Du coup, j'ai oublié de prendre de l'eau. Tu pourrais m'acheter une bouteille, s'il te plaît? Bien sûr, je vais voir si je peux te trouver ça. Mais attends, je suis pas ta boniche, mec. Encore aider pour un truc dans mes lots. Attends, j'ai oublié ma bouteille d'eau, s'il te plaît. Puis j'ai oublié d'aller pisser, tu peux m'en épicer? Non, mais ça va? Oh, le mec s'en gêne. Bon, bah, ok, on va te chercher une bouteille d'eau parce qu'il faut une bouteille d'eau. Bon bah écoutez, on va aller au couloir principal. J'ai vu la directrice, elle avait l'air de bonne humeur. Je suppose que t'as réussi à retrouver son chien. Oui, enfin maintenant je rends service à quelqu'un du club de basket. Hop. Vraiment, qui ça? Comment il s'appelle? Ah, c'est Diane. Diane, il n'est pas du lycée, alors tu dois pas le connaître. C'est un interrogatoire du délégué principal. Diane, il s'entraîne avec le club de basket. Voilà, bim. Oh, je vois, bon courage si tu lui donnes un coup de main alors. Ok, sa bouteille d'eau de merde, on va la chercher où? C'est pas dans la salle des délégués, on est d'accord? Je voulais te demander comment ça se fait que toi et ta sœur vous soyez si différents. Différents? Pourtant tout le monde nous dit qu'on se ressemble beaucoup. On tient plutôt de notre mère tous les deux. Non, pas physiquement, je voulais dire. Oui? Comment dire ça? Elle abuse? Non, rien, laisse tomber en fait. J'ai marqué elle abuse. Comment ça elle abuse? Tu sais qu'elle a volé de l'argent à Ken? C'est une vraie peste, elle cherche des noises à tout le monde. Tu sais, comparé à toi, elle manque vraiment de maturité parfois. J'ai marqué qu'elle a volé de l'argent. Quoi? Mais non, elle ne ferait pas ça. Et si c'était vraiment arrivé, elle aurait été se plaindre, non? Il aurait été se plaindre, non? Alors, on peut vraiment rien te dire sur ta sœur, tu t'en rendras peut-être compte par toi-même un jour. Tu connais Ken, non? Tu crois vraiment qu'il est du genre à venir se plaindre? Elle n'a pas une mauvaise influence par quelqu'un? On va faire ça, voilà. La seule mauvaise influence, c'est le fait qu'elle se soit mise en tête de vouloir sortir avec Castiel. Ça ne m'étonnerait même pas que ça lui fasse faire des âneries. Ah bon, je ne crois pas que ce soit la faute de Castiel, ceci dit. Bon, si j'ai l'occasion, je la surveillerai un peu pour être sûr. Ok, ok, c'est toujours mieux que rien, je suppose. Eh, je suis à 100 pas. On perd trop vite des pas, c'est la dèche. Elle me gonfle. Oh là là, mais casse-toi. Bon, sa bouteille d'eau, je vais la chercher où, moi?
Aller au club de jardinage, mais je vois pas trop... Non mais j'ai rien trouvé, attends. Oh, ça va trop vite les gens. Elle me gonfle. Ah, je suis sûre que j'ai fait une connerie, genre c'était dans la salle de classe ou un truc comme ça, la bouteille, tu sais. Je sens que j'ai fait une connerie. Attendez, je cherche. Je suis trop con. Mais je suis trop con, je crois qu'il fallait que j'aille acheter une bouteille, non? Du coup, j'ai bouffé des trucs pour rien. Attends. La bouteille d'eau, voilà. Oh, j'ai bouffé des points pour rien, les gens. N'importe quoi, Kiki, c'est débile. T'as fait des bêtises. Oh là là, regardez les points que je mange. Je mange trop de points. Voilà. Oui, voilà une bouteille d'eau que j'ai payée de ma poche. Super, merci beaucoup. Je te dois combien? 5 dollars, mais t'es pas obligé de me rembourser. Oh, elle m'a coûté 10, la saloperie. On fait quoi? Ça dépend. Attends, bah non, bah tiens, 5. Voilà. Si j'insiste, tu me rends service. En plus, tu l'as payé. Alors, c'est la moindre des choses. Voilà, pour toi, 5. Bon, bah merci. Alors, bah, encore heureux. Attends, non, mais sans déconner. Au fait, tu l'as récupéré, ce chien? Oui, oui, c'est bon. Je vais voir un mec du club de basket, là. Le club de basket, c'est qui? Je dois le connaître. Il est dans le lycée de un lycée de sport. Il est juste là de façon exceptionnelle pour s'entraîner. Un skater, quoi. Dis pas ça, il est vraiment sympa, ok. Oh là là, je dis encore ce que je veux, ok. Ah, lui, il me gonfle. Il me gonfle. Mais j'ai lu ce que vous m'aviez marqué. Vous m'aviez dit qu'apparemment, c'était vachement important dans le futur, blablabla. Mais bon, c'est l'air d'être un peu un con, quand même. Dis, je voulais te parler d'Ambre. T'as encore un souci avec elle? Pas là spécialement, mais j'essaie de discuter d'elle avec Nathaniel. Et il veut rien savoir. Pas là spécialement, mais je ne supporte plus. Je sais pas quoi faire. Pas là spécialement, mais tout le temps en continu. Ah, voilà. Et alors, pourquoi tu viens me dire ça? Je sais que c'est une vraie peste, mais je suis ni son père, ni son frère. Je vais voir que tu sais qu'elle veut sortir avec toi. Si je le sais, un peu, oui. Et elle te plaît pas? C'est si évident que ça, j'hallucine. Ah, mais tu te vantes? Je vais faire ça. Allez, moins 52, je m'en fous. Quoi, tu trouves ça flatteur? Si je voulais me vanter, je pourrais parler de bien d'autres nanas plutôt qu'Ambre. Oh là là, mais l'autre! Oh là là... Bon bah, je dois aller voir mon club. On va au club. Mais elle dit je dois aller voir mon club. Je vais pas retourner au gymnase. Ah bah si. Je suis à 5... Eh les mecs, je suis à 54. P1. C'est bientôt la fin. J'ai perdu mon pendentif. Je l'ai posé sur le banc avec ma serviette et ma bouteille d'eau et il a disparu. Quel collier? Il faut faire attention à tes affaires et ça ne t'arriverait pas. Quel collier? Tu as besoin d'aide? Un collier? Je peux essayer de te le retrouver mais ça sera pas gratuit. Oh là là, bah vas-y. C'est un pendentif de la Martinique, c'est comme un porte-bonheur pour moi, tu peux essayer de le retrouver? Allez, c'est reparti, on rend des services, comme d'hab. Ah, je me suis trompé de pièce. Non, je me suis trompé. Oh, mais il me gonfle, lui. Couleur principale. Ouais, je vois pas ce qu'il ferait dans la salle. Hein. Oh, lâche-moi. Il faut qu'on essaye de le trouver. Où est-ce qu'il est? En tout cas, de sûr, c'est que c'est pas là. Je vois pas ce qu'il foutrait dans le jardin, quoi. Pas encore. Je vois pas où est-ce qu'il est, hein. Ah, il me gonfle, lui. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Écoutez, je check. En plus de ça, il n'y a pas 10 000 salles en jeu. Donc, je vois pas trop où est-ce qu'il pourrait être. Il y en a certains qui sont en train de gueuler dans leur écran parce qu'ils l'ont vu. Moi, j'ai rien vu du tout. Je suis à moitié aveugle. Ah, la musique qu'ils te mettent. On dirait qu'on va te faire aller en dépression, quoi. Mais j'ai pas pu le trouver. Non mais en fait... Eh, oh, hey, je vais être encore coincé, les gens. Ça va recommencer. Alors...
sais pas où est-ce qu'il est. Moi, c'est comme si on était en train de discuter un peu plus loin. Je me demande bien de quoi je vais m'approcher un peu. Vous avez vu le mec qui vient du lycée sportif, trop mignon. Ouais, elle parle de Diane. Je ne sais pas si on va le revoir, alors j'ai pris un petit souvenir pendant qu'il était occupé à s'entraîner. Oh, le collier. Je l'ai caché dans mon casier, les cours allaient reprendre. Alors, je n'ai pas eu le temps de le fermer à clé. Il faut que je me dépêche de le faire dès que les cours... Tiens, attends, j'aurais peut-être me déplacer, fouiller le casier. Bon, on se taille vite au casier. Bim. Je l'ai ou pas? J'ai eu le temps d'ouvrir, je crois. Eh les gens, vous voulez rigoler? Regardez. Hop, voilà, et là je suis à zéro. Je ne peux plus aller dans le gymnase. Alors attends, on va regarder si on peut pas faire un jeu juste pour grappiller au moins 2 PA, quoi. Oh là là, je vous jure. Oh, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ok, on va essayer de faire ça, on va voir. Allez. Au moins que j'en gagne un petit peu. Ce jeu, sans mentir, commence vraiment à me gonfler. Je trouve ça dégueulasse de mettre en place un système de pas. C'est vraiment nul, quoi. C'est, franchement, je trouve ça... J'ai rien gagné. Je trouve ça nul de mettre... Attention, si la balle tombe, tu perds, ok. Je trouve ça nul de mettre en place un système de pas parce que... en plus de ça, faut te connecter tous les jours et t'en achètes plus combien. Moi, j'oublie de me connecter tous les jours. Ça, j'ai mis je sais pas combien de jours à en avoir le peu que j'avais, là. Et au final, c'est super long. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Il devrait mettre plus de points ou je sais pas. Il faut arrêter. Moi, je suis pas pour le cash shop. Ça me gonfle. Parce que je pars du principe que c'est des jeunes personnes qui jouent à ces jeux-là. Et les mecs sont pas cons, en fait. Ils savent que c'est des très jeunes personnes qui jouent à ça. Et donc, du coup, ils vont faire en sorte de mettre un cash shop. Et comme ça, ils vont demander à leurs parents et tout. Mais je trouve ça nul, moi. Je trouve qu'on devrait pas avoir à mettre un cash shop. Ou si, peut-être un cash shop dans ce cas-là, mais pour les vêtements, tu vois, enfin des bonus. Mais pas pour le nombre de pas et tout, c'est vraiment dommage quoi. Du coup, moi personnellement, je sais pas si je vais continuer. Dites-moi dans les commentaires. Je sais pas si je vais continuer cette aventure parce que ça m'énerve d'être dépendante. Alors, il y en a. Enfin, je vois déjà les messages genre, mais Kiki, tu crois que nous on fait comment, machin. Mais je dis pas le contraire. Mais c'est chiant. Voilà, moi, je fais partie des gens à qui, bah, ça me gonfle. Moi, j'ai envie de savoir la suite et j'ai pas envie d'attendre 3 semaines pour connaître la suite, devoir me connecter tous les jours. C'est frustrant. Moi, j'aime bien connaître la suite comme ça. Alors, j'ai essayé de rentrer en contact avec eux pour avoir un système de PA hein, et tout. Et ils m'ont pas envoyé chier, mais ils m'ont dit qu'en gros, ma communauté ne rentrait pas dans leurs normes à eux, blablabla, donc moi j'y crois pas. Hein. Si on n'a pas un grand chiffre, voilà, d'abonnés ou de vues, voilà, tout simplement on se fait recaler. Donc je sais pas si je vais continuer, dites-le moi dans les commentaires, ça dépendra de vous. Si vous avez envie de voir la suite, alors pas de soucis, je le ferai. Si vous avez pas spécialement envie de voir la suite, je le ferai pas. Je vais pas mettre 1 an et demi pour faire tous les chapitres complets, quoi. Je sais pas, là, ça va me rapporter combien? 3 PA, là? Attends, ça marque 3 sur 10, donc ça me fait 3. Écoute, je pense que on va faire en sorte de se ramasser, voilà. Mais non, j'en ai gagné 1. Ça me mettait 3, je pensais que c'était 1. Oh, ok, bon, bah écoutez, on pourra même pas rendre le collier du gars, puisque je suis coincée, tout simplement. Et attendez, que j'aille voir les prix, là. Non, mais attends, ça... Oh, mais regarde, hey, j'avais combien? 126? Je sais plus, 200? Je sais même pas. 3 € pour 100 PA. Je trouve que c'est abusé, mais tu te rends compte? 300 PA? Si tu payes 10 € pour un truc qui est mangé en 50... en même pas, en 10 minutes, quoi. 12 minutes. Donc, en gros, limite, il faut aller tricher, aller voir sur Internet les gens par où ils sont passés pour économiser le maximum de PA. Enfin, moi, j'aime pas trop le concept. Du coup, malheureusement, on va s'arrêter là, mes petits loups, pour cette vidéo. Je peux pas vous proposer plus. C'est pas moi qui veux pas. Hein. C'est le... Regardez. C'est le jeu. Je ne passe pas. Tu n'as pas assez. Donc, du coup, je ne passe pas. Je suis bloqué. Attendez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires. C'est super important. Si vous voulez oui ou non que je continue. Si vous ne voulez pas, enfin, s'il n'y a pas une grosse demande, je continuerai pas. Je vois pas l'intérêt. Je vais pas attendre 10 ans pour le terminer, ce jeu. Donc, en attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. Pour une petite vidéo chasse qui dure 3 heures, mais que je dois monter là, donc bien sûr elle sera condensée, mais il y a 3 heures de chasse, ça va être très très long à monter, mais j'espère vraiment de tout cœur qu'elle va vous plaire, et samedi n'oubliez pas du coup que Kiki est en live, je ne sais pas encore sur quoi ça sera la surprise. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, ciao.